suis censé aller sur mon live. Je suis sur mon live, le Q. Normalement, c'est censé avoir fonctionné, mais bon, il y a toujours un truc qui bug. Voilà quoi. Yo, salut tout le monde, comment ça va? Tranquille ou quoi? Il y a déjà 4 personnes. Ah, bande d'enfoirés, hein. Quand je fais des jeux d'horreur là, ça vient par contre, hein. Bande d'enculés. Vous savez sur quel jeu je vais jouer? J'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Ah putain, il m'a fait peur par contre. Donc il faut que moralement je. Ayama, Sayama. J'espère que je n'ai pas obligé de tout recommencer parce que. Par contre, les touches elles sont mal foutues, les gars. Moi, je me rappelle. Ouais, je pense que je prends pas russe. Parce que chez nous, les russes, vous avez compris. Ça fait juste des patates. La vodka. Et on va prendre americano. Bon, par contre, il faut peut-être que je. Eh ben. Bon, le son de la musique sera peut-être fort au départ. Mais vous inquiétez pas, ça durera pas longtemps. Bon, par contre, je suis en ultra. Alors, c'est pas sûr que ça rende bien en plus du stream, étant donné que je dois changer quelques pièces sur le PC. Normalement, ça va. Ben là, par contre, j'ai vraiment pissé dessus parce que il m'a vraiment fait peur le jeu à la fois. À moins qu'il plante. Yo, le plus nul! Ah mais là je vais vraiment chier dessus là les gars. Je vous le dis direct, il m'a SG m'a trop fait peur. Je vous jure direct. C'est le jeu que t'as joué quand j'étais là? Ouais, c'est les. Ouais. Alors si vous entendez un boom avec le micro, c'est normal parce que j'ai le micro qui est positionné comme ça, juste au-dessous de mon bras. Alors c'est quand je vais avoir peur. Donc vous inquiétez pas. Alors pour recul, alors c'est ça qui est mal foutu là. Je peux pas changer les touches, je peux pas changer les touches. Hein. Donc ça veut dire que c'est W pour avancer, S pour reculer, F c'était pour mettre la lumière évidemment. Ça c'est pour me pencher. Ah, ok. Allez on avance. Je suis en ultra, je précise, le jeu est en ultra les gars, je peux pas faire plus beau. Oh. C'est moi quand j'achète des skins sur Call of Duty. ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà, donc là c'est problématique, c'est que je comprends pas l'anglais ni le russe, donc en gros c'est la merde quoi. Je vais pas aimer. Alors là, et je vais vous dire, voyons sur le téléphone comment ça fait quand je fais ça. Est-ce que ça fait flou? Je vais voir ça. Désolé, je vois le rediff. Ouais, ça fait un peu flou, ouais. C'est bizarre. Hein. Pourtant, je suis à 60 images par seconde. Enfin, classique. Quoi. C'est où déjà pour aller là-bas? J'ai entendu un bruit là-bas. Ah, j'ai pas confiance, putain. Quelle idée de se dire, ouais, vas-y, je vais faire un live sur un jeu d'horreur. On va aller chercher la caméra. Par. My video camera. Oh, il y a l'ambiance qui arrive, elle est sale l'ambiance. Il y a un mot. Salut, j'aimerais te faire une pipe, mais on se connaît pas assez encore. Ah ok, il me faut genre il me faut le dictionnaire, ouais voilà, genre grâce au dictionnaire. Il y a quelque chose qui respire derrière moi. Non, vous l'attendez respirer? Maman, j'ai peur. Oh non, j'aime pas ça du tout là, putain de sa mère. Hello? Putain, mais. Désolé. Moi pour les jeux anglais ça va, j'ai. Mais j'ai. Ouais, moi j'ai. Mais là c'est un jeu russe là. Il est russe le jeu. Je précise. Et je précise. Je peux pas fermer la porte, c'est un truc tout nu qui arrive derrière. Je sais comment moi. Ouais, genre je peux pas passer, c'est ça. Est-ce que c'est la dingue qui a eu du bruit tout à l'heure? Hello? Et comment je peux pas ramasser ma truc? Putain. Est-ce que
que je peux ramasser ma caméra. Ah, j'entends derrière. Eh ben, j'ai le dictionnaire, t'es con. Ah, voilà. Un dictionnaire, ouais. Nanana. You run away, Ça court derrière moi. Ah, j'aime pas ça, putain. Forêt de ta merde. C'est quoi ça? C'est pas infusible ça? Ben, c'est infusible ça là? Non? Non, c'est pas infusible. Il y a une sale ambiance là par contre. J'aime pas du tout les gars. Il y a une Camille qui chante. Elle est pas derrière le meuble là? Elle est derrière le meuble, je vois un truc là. En plus, je peux pas courir. Il y a quelque chose là, regardez. Il y a rien. Mais... Ah c'est bon, j'ai compris, elle est dans la pièce à côté. Ah je vais pas aimer, bordel de merde, j'ai pas aimé ça les gars. Il y a les traces de pas là. Oh putain, j'ai eu peur parce qu'il a fait holy shit quoi, putain de ta mère, ça aussi je suis... Je comprends pas, ça chante par là. Mais hé! Ok, les oiseaux morts. J'aime pas du tout parce que pour poser. Oh putain, j'ai pas aimé ça parce que c'est. Il y a une sale ambiance là d'un coup, les gars. Vous entendez bien le jeu au moins? Vous entendez bien le son, les frérots? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Je sais pas qui c'est qui a mangé ça, mais... à mon avis, ça peut être mon copain. Ça. Désolé si je respirais fort derrière toi, je... Je fais de l'asthme. Ouais. On va faire de l'asthme dans ton cul, frérot. Je vais devoir sortir, j'ai pas envie. Voilà. Je sais parler anglais, vous avez vu? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, finish the room. Ah, il faut que je finisse de fouiller la chambre. C'est ça, si j'ai bien compris. Fouiller la chambre, fouiller la chambre. Comment ça? Et là, tiens. Ah, oh, coucou toi! Ouais. Salut, j'ai fait l'amour avec un camp, stuff. Hein. Ouais, désolé, je comprends rien. Du coup, je fais à l'aveugle, moi. Ça y est, j'ai tout fouillé. Ah non, un fusible. Ouais, genre le mec, il fouille. Genre le mec, il fouille, tu sais, pour prendre. Ah non, ok, il est fermé. Ok. Je vais pas aimer. Je vais pas aimer ce qui va suivre. Je regarde pas derrière moi. Oh, ta mère, mais putain, j'ai appuyé sur ça. Et ouais, fais chier, je fais toujours la même connerie, moi. J'ai eu peur de ça, sérieux, quoi. Putain, mais elle est plus la merde, la meuf. Ah, oh, sérieux, quoi. Il faut vraiment... Ah, ça... Ah, vas-y. Putain, j'ai encore appuyé sur Windows. Et là, il marche, le Windows, putain. Ah. Oh. Pas qu'à faire je foute les ampoules, bien sûr que si. Ça je veux pas. Faut ma gueule tout quoi. Ah mais dis pas qu'à faire je fasse ça la nuit. Ah non, faut peut-être que j'active. Dis-le interrupteur. Je vais faire quoi?
Ouais. Mais c'est surtout que je suis pas à l'aise. En fait, je peux jouer à la manette, mais avec la manette, c'est trop lent, quoi. Est-ce que Fabien a fait ses arts? Ouais. Le problème, tu vois, c'est que je peux jouer à la manette, mais c'est trop lent, tu vois, c'est pareil. Je vais y avoir un truc derrière ce meuble, je vais péter un câble. Et je dois faire quoi d'autre là en fait? Parce qu'en fait, je vois, je peux mettre des lumières là-haut, tu vois, c'est cool. Mais je peux rien faire avec ces lumières. Il y a du bruit là-bas. J'ai peur. Hello? Sale ambiance dans cette chambre. Je vais en faire quoi là? Je comprends pas. Oh, il y a une trace de main là. Elle était tout à l'heure la trace de main. Ouais, elle était tout à l'heure. On commence à se faire peur. Oh, il y a une autre poupée. En fait. Ouais, je fais quoi d'autre là en fait? Là, je comprends pas. Je suis bloqué. Ah, d'accord. J'aime bien les boîtes à musique, tu vois, mais là il y a des limites quand même. Ah, j'ai des fous. Ah putain, c'est pas très cool par contre. Je suis désolé, j'ai un petit peu peur, les gars. Mais ça va là, ça peut se contrôler pour le moment. Il y a rien qui a passé devant encore. Hein. Il manque les... Mais... Est-ce... Ah non, elles sont là les lumières. Il faut que je dorme, que je me réveille la nuit. Évidemment, parce que c'est le premier truc qu'on fait quand on est dans un truc pareil. Évidemment. Parce que tu dis, t'as un truc qui te passe devant, tu dis je vais me réveiller la nuit. Évidemment, parce qu'il a pas assez dormi, tu vois, il s'est pris un coup sur la tête, il s'est dit non, il faut que je dorme un peu plus, parce que voilà, quoi, ça va pas. Night 2, évidemment, Night 2. Là, par contre, je vais pas aimer du tout, là, sa mère. Je vais pas du tout aimer, les gars, faut que je me prépare moralement, là, parce que je vais pas du tout apprécier, je vous le dis de suite. Ils m'ont donné des ampoules en plus, c'est-à-dire qu'elles vont casser, c'est sûr. Et je peux les prendre en plus. Qu'est-ce que je disais? Mais non, mais mettre les ampoules la nuit, frère. Je me dis pas que c'est... Non, c'est bon, j'ai pas besoin de les mettre, ça va. Elle est où la lumière? Mais... J'ai pas ma caméra, il va falloir que je m'approche de la caméra. Ah là là, j'ai pas aimé. Pourquoi je me penche pour regarder sur les côtés? On regarde cette pièce en premier, comme ça si on doit avoir peur, ce sera dans celle-là. Y a rien ici. Les portes sont fermées, ça c'est pas bon signe. Déjà c'est pas bon signe du tout. Ah, non. Oh non, merci de pute, ça va. Arrête de taper, bordel. Ah, j'aime pas, j'ai trop peur là. J'aime pas ça du tout, moi. Ça marche pas les lumières là, évidemment. On voit rien du tout en plus, hein. Oh la vache, sa mère là. Attendez, j'ai la touche qui est buggée. Le petit me l'a pété, du coup. Arrête. J'ai mon fils. Putain, il m'a pété la touche du PC. Ah non, me dis pas qu'elle est morte là. Bon, je t'arrête. Alors je suis désolé, hein, c'est mon frère, c'est mon fils, il m'a pété le clavier. La souris s'arrête pas. Pourtant, j'ai pas appuyé fort. Hein. Il m'a pété un clavier à 90 boules. Voilà. C'est cool, hein, les enfants, les gars. Ça s'arrête pas de tourner en rond.
Voilà. Parce que c'est pas surveillé quand je dors et du coup, ben voilà. Ça veut pas s'arrêter de tourner, les gars. Ouais. Je suis désolé, ça veut pas s'arrêter de tourner en fait là. J'ai un gros problème, ça s'arrête pas. Ça veut pas s'arrêter, c'est pété. Ah ça y est, c'est arrêté. Ouais, c'est arrêté. Bah je suis désolé pour le petit retard. C'est mon fils. C'est bon, ça a arrêté de bugger, il faudrait que je tape un peu pour que ça s'arrête. Oh ta mère! Désolé. Non, non. Il est bien plat. C'est vraiment le A en fait. Il m'a cassé le A en fait. J'ai pas aimé les gars. J'ai pas envie de sortir. Elle est là. Elle fait du moonwalk. Regardez. Elle est comme ça. Ah, je me suis fait mal. Bonjour madame, vous avez un problème colonne vertébrale? Madame? 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 Vous avez pas de visage madame? C'est plutôt étrange pour une madame. Putain, j'ai pas envie. Ah, t'es pas gentil. Toi vraiment je t'aime pas du tout. Pas te mentir, je t'apprécie pas, je te déteste. Je peux pas me coucher pour me lever la nuit, non, non c'est possible. Je joue un putain de jeu, je comprends pas ce qui se passe. Bah merci, le clip, il faudrait essayer de me le mettre sur le Discord les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prendre le clip, le lien du clip et le mettre sur sur mon Discord, ce serait sympa. Il va falloir que j'aille à la porte qui est fermée. Et j'ai pas du tout apprécié ça. Je vais fermer cette porte si je peux. Parce que je laisse pas cette porte ouverte. Moi. Voilà, ferme la porte. Voilà. Quelque chose me dit que c'est pas très bon. Il y avait un corps. Il y avait un corps, sa mère la pute. Il y avait un corps. Je l'ai vu. Je l'ai vu, vous l'avez vu. Ça tape. Ça tape et ça, c'est pas cool ça. C'est rentré là-dedans. Il a aspiré un truc. Ah mais il a aspiré le corps qu'il avait là. Ça respire. Ça respire. Vous l'attendez de respirer ou pas le mec? Mais non, je vais pas devoir aller là-bas. Je peux pas passer, rassure-moi. Non. Oh non, je vais avoir peur. Oh, j'ai peur. Il a dit Jacadi. Jacadi a dit. Je peux pas dormir, me réveiller. Je préfère le jour, honnêtement. J'ai moins peur le jour. Sa mère la pute, il faut que j'aille dans la pièce. Alors on va dans la pièce. On va même au fond de la pièce parce qu'on est con et il y a un truc ici. Je vais devoir me retourner.
Il me manque une pièce. Il me manque le truc qui tourne. Je dois fouiller dans la chambre, je suppose. Derrière ce meuble, vous pensez? Non, il n'y a pas un truc derrière le meuble. J'ai peur, j'ai très peur là. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment très peur, les gars. J'ai vraiment très peur. Je, comme on dirait dans le jargon, je suis pas rassuré, j'ai très peur. Je sais pas où regarder. On va regarder là. S'il y a un truc derrière ce meuble, je pète un câble. Ah, je me mets là, je sors plus. Je me mets là, je sors plus. Voilà. Attendez, hein, j'ai reçu un message, regardez vite fait. Ok, c'est le lien. Yes, merci Légion. Ah, il va falloir que je fouille. Pleine nuit, tu vois, des trucs comme ça, tu m'as fouillé parce que tu vois, t'es un mec comme ça, tu vois. T'es un mec qui n'a peur de rien. Et du coup, tu vois, tu peux pas prendre une barre là comme ça parce que au pire, tu tabasses sa gueule, tu vois. Mais non, pas possible. Alors, je trouve cette putain de... Ça a lagué, du coup, ben j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Ça a lagué. Il doit forcément avoir le truc quelque part ici, là, c'est obligé. Là-dedans, non? Pas possible. Des trucs de merde là-dedans. Non? Je sais même pas où c'est que ça a cassé en fait. Il y a des trucs qui cassent, je sais pas où. Ouais, 1958, il s'est gratté l'anus, c'est pas rigolo. Ouais, ok, d'accord. Il y a les photos. C'est pas tout ce que je recherche. Ce que j'en cherche actuellement, c'est oh, la sale ambiance de merde. Putain, c'est mort. Je me sens en sécurité ici, c'est bizarre, hein. Mais le fait de savoir que j'ai mon lit ici et tout, tu vois. Alors, ça veut pas dire que je suis en sécurité, tu vois. Je peux à tout moment me faire violer l'anus et tout. Et comme j'ai qu'un anus, je tiens pas trop à ce qu'il soit violé. Une mouche sur moi, quoi. Dégage de là, quoi. C'est pas ça par hasard le truc? Non, ce serait trop beau que ce soit ça. J'entends des bruits bizarres. Merde, désolé, excusez-moi. Je vois rien du tout là-bas, quoi. J'ai entendu une vitre se péter, donc forcément, si la vitre s'est pétée, c'est que ça m'a jeté un truc, on est d'accord. La vitre, elle s'est pétée où? Me dis pas que c'est dans l'autre pièce, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est forcément dans l'autre pièce. C'est forcément ici, les gars. Ah non. Ah bah elle est fermée, ça c'est cool. Voilà, plus besoin de l'ouvrir. Putain, il est où le truc, quoi? Je vais galérer 20 ans à trouver ce truc à la con, là. C'est une blague pour les copains. Ouais, y a rien nulle part, frérot, quoi. It's located. Ouais, il me dit qu'il faut que je trouve le truc, quoi. Putain. Alors, sans vous mentir, je viens de trouver le truc. Mais où ça, quoi? Je l'ai forcément loupé, ce truc d'enculé. C'est même sûr. Alors, on va regarder. On va regarder doucement pour être sûr de ne pas le louper. J'aime pas du tout l'ambiance, mais vraiment absolument. Ou alors, c'est le jeu, le fait exprès de me faire tourner en rond pour qu'à un moment donné, j'ai un screamer dans la gueule, c'est ça? Bon, c'est fermé ici. Pas prendre un truc comme ça, ça je peux pas le prendre, ça je peux pas le prendre, ça je peux pas le prendre pour taper. Moi la boîte je tape avec ça, je m'en bats les couilles, tu vois.
Ça, je peux pas le prendre. Bah, les gars, je vois pas où il est le truc. Bah, je peux pas plus chercher quoi. Non, aucune interaction avec ça. Qui peut être ce truc de merde? Ah, peut-être ça! Ah, si c'est ça, je pète un câble. Ah, genre, tu peux pas prendre le marteau et péter le truc, sérieux, c'est ça? D'ailleurs, à quel moment que je t'enferme là-dedans aussi? Je voudrais le penser. En prendre une et partir à l'aventure. Voilà, ça l'ambiance là. Les gars, je comprends pas là. J'aime pas du tout avancer ici parce que je vois pas ce qui se passe là, tu vois. C'est horrible par contre. Hein. Pourquoi j'entends de l'eau? Pourquoi j'entends de l'eau? Alors, tu vas me faire le plaisir de remettre ça, s'il te plaît, mon pote. Pourquoi j'entends de l'eau? J'ai pas envie d'y aller. J'ai peur. Oh non, le lapin il est de retour. Ah, c'est pas un lapin ça par contre. What is box? C'est quoi qui crache au-dessus de moi? Il y a un truc qui crache au-dessus de moi. Oh non, je vais pas aimer. Putain, mais faites cette pute, va. Putain. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait peur, quoi, sérieux. Ah, il est parti, ce putain de nounours, là. Ce putain de jouet de merde. J'ai pas crié cette fois, vous avez vu? Je commence à grandir. Oh bordel de merde, mais c'est quoi ce truc? Ah, je préférais quand il était petit. Ah, bizarrement, je suis pas très confiant là. Oh mon dieu, allez, on y va, on y va. Ah non, on y va pas, j'ai peur. Les gars, je peux pas, il fait trop peur ce jeu, il fait trop peur. J'ai trop peur les gars, je vous jure, vous imaginez même pas. Il y a encore là-bas ça... Ah, ça va me faire foutre, putain. J'ai trop peur. Il est horrible le jeu, putain. Il est horrible. Qui c'est qui a eu peur? Il n'y a que moi qui ai eu peur, vous allez me faire croire là? Je vais devoir aller remettre le courant, sa mère la pute. Je vais devoir aller remettre le courant, ouais, tout à fait. Je comptais y aller, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais aller mettre le courant parce que c'est trop rigolo, tu vois. J'aime trop avoir peur.
Les deux portes sont ouvertes. Ah ouais, non, mais là, je vais péter un câble. Je vais péter un câble, il y a un truc qui va passer. Et ça respire encore. Ça s'arrête jamais, hein. Ça respire là-bas. Vache. Ça respire derrière le meuble, ça respire. C'est il y a un truc derrière le meuble, c'est Summer of 85. Il y a un truc derrière le meuble, les gars, j'ai pas envie d'y aller. Il y avait un truc derrière le meuble, j'y vais. Ah, il y a plus rien derrière, il y a rien derrière le meuble. C'est Summer of 58, je veux dire, pas 85, c'est un film, ça. Oh, ta mère, salope. N'hésitez pas à clipper, les gars. Ça me fera des souvenirs pour le best-of à Noël. Oh mon Dieu! Vas-y, ta mère, la pute, il va me sauter dessus. J'ai pas les mots, là. Là, franchement, j'ai pas les mots. Je vais pas vous mentir. Mec, tu décolles. J'ai pas envie d'avancer. Ça, la 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 la. Bon, on s'en doutait un peu, hein. On s'en doutait ce qui allait nous arriver. De toute manière, le mec, c'était un ballon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, ta mère. C'est pas un ballon, lui, par contre. Salut, t'es... C'est quoi, ça? Génial. Bonsoir. J'ai peur. Ah, comment je me chie dessus, les frérots, là, je vous le dis de suite. Je fais pas le mariole, là. Je dois vous avouer, je peux pas prendre le petit nounours avec moi. Parce qu'à la limite, il me donnera de la force, là. Actuellement, j'en ai très besoin. Ok, merci, ma poule. S'il te plaît, dis-moi que je peux partir. Il me reste quoi à faire ici, là. Ah, j'ai pété un câble, hein. Il me reste quoi à faire ici? Mais avec tout ce qu'il voit, le mec, pourquoi il reste, en fait? Je comprends pas. Moi, je vis le quart, je vois un ballon qui passe devant moi. Mais je suis déjà plus là, moi. C'est terminé, frérot. Ça je peux pas. Je peux plus le réactiver, d'accord. Je peux plus rien faire. Hein. Il y avait une boîte tout à l'heure. Vous vous souvenez, dans le couloir, la même boîte où c'est que j'ai vu la bibette. Ici, elle était. Là. Je peux pas interagir avec. C'est très dommage, ça. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Mais quoi? Ah, il y a une clé. Une clé. Avec un mot dessus. Ah non, le mot c'était pas vrai. C'était une blague pour les copains.
J'ai peur. Là, il va se passer un truc, là. Genre, je peux pas aller là-bas tranquille, tu vois. Il y a la porte qui a fermé derrière moi. Il va y avoir un pénis qui va sortir, c'est ça? Un pénis sauvage. Ouais. Je comprends pas là ce qu'ils disent. Je comprends pas l'anglais, les gars, donc du coup, je peux pas vous dire. Pourquoi je peux plus rien faire? Bon, ça, c'est pas bon signe, ça, si on peut plus rien faire. Loading, oui. Pourquoi loading? Il se passe quoi? On change d'endroit? On se met dans une maison, je pète un câble. Night of 58. On est dans une maison, je vais péter un câble. C'est obligé. C'est l'histoire qui est... Et c'est encore pire. On est dans l'école avant qu'elle soit détruite. Allume la lumière, mon pote. On est dans l'école avant qu'elle soit détruite. Enfin, avant qu'il y ait tous ces problèmes. T'entends autant de corbeaux qui font ce bruit là, mec? C'est quand même... Mais à quel moment tu fais une école ici, quoi, frérot? À quel moment? À quel moment tu te dis ouais, c'est une super idée, quoi? Dis-moi que la lumière s'allume, s'il te plaît, petit Jésus. Eh non, évidemment, c'est trop beau. Pourquoi j'entends des bruits bizarres? J'entends chanter. Ah, je traverse pas la maison en vrai. Vous dormez les enfants? Merde. Ça, j'aime pas beaucoup ça par contre. Déjà, il n'y a pas de lumière ici. T'es dans une école, t'as pas de lumière. Combien je pèse? Ah, 0 kg. Excellent. Là, je peux rien faire, là. Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je comprends pas ce qu'il me dit. Schilder, Mikuyansky, j'ai perdu ma virginité à Sachant d'Asper. Il y a du bruit derrière. Il y a du bruit derrière et j'y vais pas du tout moi là-dedans. Nique ta mère, je me casse. Je m'en vais, mais très, genre très loin, tu vois. Méga loin même. Ah, il y a un bruit derrière le mur là-bas, comment c'est pas cool. Merde, excusez-moi, j'ai appuyé sur la mauvaise console. Ok. Donc on est une femme. Ok, on est une foufoune. Une foufounette. Et je fais quoi là moi frérot? Je comprends rien moi. Il est bizarre là-bas. Pourquoi je fais... Ah ok, je fais... Pourquoi une boîte à musique? Je peux interagir... Ah putain, j'appuie sur le mauvais bouton encore. Et ouais, parce que pour moi... Je peux pas interagir, je crois. Mais pourquoi je peux ouvrir celui-là? Je comprends pas. Je peux pas interagir avec ça. Est-ce que c'est parce que j'ai la lumière? Ouais, alors allume la lumière par contre. Un gars verré, un slep. Je comprends pas, les gars. Ah putain, mais c'est pas possible, c'est de la merde aussi d'avoir mis les boutons là quoi. Putain, c'est vraiment l'enfer ça. Hein. Mais je fais quoi là, je comprends rien. Mais je veux bien frérot, mais y'a rien d'autre à faire là. Oh merde. Corbeau il est mort ici, c'est jamais bon signe un corbeau mort comme ça.
c'est que de mauvais augure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment de mauvais augure. Ah, un mot là. Allez. Ça parce qu'il fallait que je trouve le mot, c'est ça? Ah, boîte à musique. Voilà. Okay. Oh, je l'ai celle-là. On va arrêter là, mais... Yo, Skydro. Quoi, c'est pas bon? J'ai la clé, mais la clé de quoi? La clé d'ici? Oh putain, non, me dis pas que c'est la clé d'ici. C'est la clé de quoi, là, que j'ai? Comment ça marche dans la forêt? La clé du coffre-fort, peut-être, non? Un fils de pute! Ah, ok, t'attends de taper là-dedans, tu tapes, toi, t'attends. Écoutez comment ça respire. Vous attendez? Et l'autre, elle met un coup dedans. C'est pas un chat là-dedans, mon pote, hein? Les enfants, faut se lever. T'es. Ah mais tu casses les couilles là, j'ai une putain de clé sur moi, elle sert à quoi cette clé? Y'a rien d'autre à ouvrir ici. C'est le jeu, il me fait faire des 50 allers-retours exprès, ça c'est volontaire. Comme ça je galère, tu vois, j'ai bien peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça respire plus là. Ça respire plus. Il y a des trucs qui marchent dans la forêt, c'est horrible. Je peux pas leur balancer ça dans la gueule. La vitre elle est cassée, mais sans être cassée, c'est Carglass qui est passé par là. Les gars, je comprends pas ce que je dois faire là. Très honnêtement. Ah si. A-H-R. Ra ou H-A. H-A-R. H-A-R, c'est ça non? Vas-y, approche-toi. C'est quoi ça? Vas-y, continue. C'est quoi ce Scarimovie? H-A-R. Ben, il n'y en a pas 50 de H-A-R. Ben non, je vois que ça. Je vois que celle-là, hein. A-H-R. Je vois que ça. Pourquoi je peux pas avoir une interaction avec elle? Ben ouais, regardez sur le tableau. Il y a marqué A-H-R. Donc forcément, je dois avoir une interaction avec le truc là-bas, mais je dois peut-être avoir un truc à ramasser ici. Allez frérot, je suis désolé là, vraiment, je cherche, je trouve pas quoi. Je peux rien regarder dans le trou. Appuyer comme un sauvage, les gars, je sais pas du tout. Je peux pas ouvrir cette porte là. Je peux pas ouvrir ces placards. Là, j'ai pas d'interaction ici. Peut-être que j'aurais dû ramasser un triangle ou un truc, mais même pas. Non, même pas. Regardez. Raca, tu m'étonnes.
Mais là, les gars, je sais pas quoi faire, là. Honnêtement, je sais pas du tout regarder. Hein. Voilà, quoi. À moins que j'ai un inventaire, quelque part. J'ai pas été mis au courant. Allez, il me se paie, non. Non, non. J'ai pas d'inventaire. Qu'est-ce que je dois faire, sa mère la pute? Putain de merde. Je pensais que j'aurais une interaction avec ce truc, mais non plus. Là, ça, je l'ai déjà lu. Donc, j'ai rien à faire sur ça. Cette photo, je peux pas la toucher. Ah, et je vais péter un câble. Attendez, je vais regarder. Vous savez quoi? Je vais regarder en dessous de tous les trucs. Rien, les gars. Je prends une clé, mais je peux rien faire avec la clé. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça? Children and Mekuyansky, là. Ça me fait chier de devoir aller sur Google Track, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut regarder, savoir à peu près ce que ça veut dire? Ça veut bien dire un truc. J'ai récupéré une clé, donc forcément, ça doit bien m'ouvrir quelque chose, bordel. C'est pas possible que ça m'ouvrirait. On est d'accord. J'ai remis le courant, mais genre, y'a rien qui marche. Même pas les lumières. Ouais, je peux rien faire. Ah, ça va me casser les couilles. Ce que je comprends pas, c'est ça en fait, ça me perturbe. C'est qu'on me dit qu'il y a AHR, et quand je vais là, il y a AHR. Mais quoi faire ici en fait? J'ai aucune interaction possible. Je vois qu'il y a le dessin d'une fleur. Attends, il y a le dessin d'une fleur. Peut-être qu'il y a un truc dans ces fleurs là. Je sais pas. C'est une hypothèse, frérot. Ah, je sais pas du tout, hein, moi les gars, c'est une hypothèse, hein, ce que je suis en train de faire, je me dis de suite. Il y a une fleur de dessinée, ça va bien représenter quelque chose, putain de sa race. Je suis vraiment en train de bloquer là sur ça. Là. J'ai pété un câble. Ah, attends, je te mets alors. Il est peut-être en train de me dire que c'est. Il est peut-être en train de me dire que c'est la chambre des enfants, peut-être, tu vois. Ah ouais, je l'ai payé ce jeu en plus. Hein. Je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé, il était à 4 euros. Moi, je sais pas combien pour ça. Je crois que c'est ça qui me dit. Ouais, j'ai enfant, ça, il me doit sûrement me dire que c'est la chambre des enfants. Je clique exprès Skydraw pour que tu puisses regarder. Jusqu'à ce que je voie ton message apparaître, parce que là je suis bloqué, je suis en train de tourner en rond. Pourtant, j'ai récupéré une clé. Sur le tableau, il y a marqué AHR. Sur une porte, il y a marqué AHR. Mais j'ai aucune interaction possible avec. Je peux pas l'ouvrir. Oh merde, désolé, je tapais le micro.
Il y a le trou, je peux pas y glisser ma bite, je peux strictement rien faire. Donc ce que je propose, c'est peut-être que j'aille fumer une cigarette en attendant que Patrice y trouve. Et puis je vous retrouve tout de suite. Est-ce que ça vous convient, ça, mes loulous? Je reviens, comme dirait mon grand-père. Alors, je suis de retour. Alors. Les enfants et les soignants dorment. Je ne les dérange pas. Ah, d'accord. D'accord, éteins une demi-molle. Tu ne les déranges pas, d'accord. Okay. Donc, on est bloqué, quoi. Alors là, si je comprends bien, je suis bloqué.
Ou alors le jeu il a bugué. Ce qui peut être possible. Parce que là, concrètement. Voilà. Concrètement, j'ai aucune interaction avec quoi que ce soit. Là. Ah bah les frérots, je suis désolé, je peux pas faire plus. Hein. Oh, comment ça fait flipper sa mère hein, noire. Oh, ça devrait me faire péter un câble là. C'est toi le moustique. Pour le coup, les enfants et les soignants dorment. Je ne les dérangerai pas. Difficile à comprendre. Je pense que tu vas être bloqué. Ben, le problème, ce que je comprends pas, c'est que je pouvais fermer ce truc. Je peux plus la fermer. Et moi, en fait, moi, ce qui me perturbe le plus dans l'ensemble, c'est-à-dire que j'ai fait plein de fois le tour des pièces. Il y a A, H, R, comme ça, à l'envers. Attends. Ouais, non, c'est le même. C'est le même truc à écrit là, en fait. C'est ça, je comprends pas. Et j'ai aucune interaction avec ça. Absolument aucune. Même si je me penche, même si j'appuie partout, j'ai aucune interaction, en fait. Pour moi, je pensais que j'allais. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a le nom qui apparaît, et de suite, je peux. Je peux rien faire de plus, là. Je fasse quoi de plus? À faire dans les trucs. Et il y a une petite fleur dessinée. Parce que là, concrètement, il y a marqué AHR, il y a une fleur. Et il y a ça. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a la clé ou un truc comme ça près des fleurs, mais pas du tout. Absolument pas. Donc je comprends pas trop quoi. Ça, je l'ai lu, j'ai fait le tour d'étape. Il n'y a rien nulle part. Il n'y a rien derrière les chaises. On regarde bien, on ne sait jamais. Ah les gars, vous voulez que je fasse quoi là, sérieusement? Je peux même pas faire... Je me suis dit peut-être que je pouvais fermer la porte. Je peux même pas la fermer. J'entends marcher dehors, c'est ça le pire. Et quand je vais là, j'entends une balançoire. Quelqu'un qui se balance, tu sais. Gars, écoutez. Et j'ai trouvé une clé. Il y avait une clé là-dedans. Donc je me suis dit, peut-être que c'est pour cette porte. Attendez, je vais essayer à la manette, voir, je comprends pas. On rallume la lumière. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a rien en plus, hein, je veux dire. Je comprends pas en fait. Et je peux même pas sortir le tricycle devant, tu vois, je me dis peut-être que c'est ça qui va le bloquer, je peux rien faire. Je comprends pas. J'ai rien à faire face à tout, face à toutes les portes, j'ai rien à faire là. Regardez. Ouais, non, mais je suis bloqué, les gars. Écoutez, moi, je suis vraiment bloqué, là, je comprends pas, là. Vraiment, les amis, boire un café dans un jeu d'horreur, c'est très risqué, quand même. Alors là, je comprends rien du tout, là, les gars. Honnêtement, pour moi, c'est du chinois, là. Forcément un truc à faire, ça m'énerve, il y a forcément quelque chose à faire. Je suis forcément passé à côté de quelque chose. Forcément, je suis passé à côté de quelque chose, c'est sûr. Forcément passer à côté de un putain de quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. On va là, c'est parce qu'il faut réfléchir en fait, tu vois. C'est ça doit être une question de logique.
It doesn't work, ça veut dire probablement que pour l'instant il faut que j'aille remettre le fusible, j'en sais rien. Moi ce qui me perturbe c'est l'oiseau aussi, je peux rien faire avec l'oiseau. Ah et ça j'ai ramassé tout à l'heure, j'ai rien à faire avec ça. Le problème c'est que même si on regarde, on ne sait même pas où tu en es, quoique sûrement louper un objet, je sais pas. C'est Summer of 58. Je suis dans l'école. Tu mets bel épisode de la maîtresse. C'est Night. Attends, l'épisode c'est Night Summer 58 ou Summer Night 58 là. L'épisode. Parce que là, concrètement, les gars, je vous promets, je suis bloqué. C'est pas que je veux pas, hein, mais je suis réellement bloqué là. J'entends marcher près des fenêtres, ça me fait stresser ça. Là, je comprends rien quoi. Au moins pour avancer là, parce que je comprends pas là, les gars, vraiment. Attendez. C'est bon, j'ai trouvé. Ma ta mère, homme. Oh merde. Salut. Ça va, je te dérange pas trop? J'ai trouvé les gars. Mais c'est qui lui? Coucou. Je dois m'approcher de ce fils de pute. Je dois m'approcher de ce fils de pute, hein, qu'on va devoir s'approcher de ce fils de pute. Eh oui. Forcément, on va devoir le re... Hein, on va devoir s'approcher, regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette gueule. Je vais avoir peur encore. C'est Bibi qui va avoir peur. Il y a un papier. Mais qu'est-ce qui... Mais... Attends, ils sont en train de dormir, les enfants. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? J'ai peur. Compris là les gars, je comprends pas. Elle met la bonbonne, elle fait un truc, j'ai pas compris. Je peux pas mieux vous dire, j'ai pas compris. Je comprends rien ce qui se passe. Voilà. Ouais, moi je me suis dit, je cherche le masque à gaz, toi, je vais me faire direct le masque à gaz, toi. En mode tranquille quoi. Il y a quelqu'un qui respire. Ok, il me dit c'est bloqué. Pourquoi j'ai pas compris pourquoi il y avait ce truc tout à l'heure avec cette fille là. J'aime bien quand il fait jour, ça fait moins peur. Je suis rassuré. Sûrement que j'aille là-bas cette fois.
Il faut pas que je me recouche, déjà, ça c'est une bonne chose. Il n'y a plus les lumières. J'ai plus de lumière là. Elles ont disparu. En fait, c'était juste la chaise qu'il fallait que je. Et franchement, j'ai pas testé la chaise quoi. Mais il y avait le coffre et j'ai reçu une clé donc c'était obligé quoi. C'était quelque chose de sensé quoi. Mais comme moi et la logique, ça fait deux, tu vois. Voilà. On n'avance pas tellement quoi. On met beaucoup de temps à avancer avec moi. Bon, qu'est-ce qu'il me dit du coup? Il faut que je apporte quoi au truc? Est-ce que je dois lui laisser un truc? Non. C'est chaud quand même. Tu sais, quand tu comprends pas l'anglais, tu comprends rien. Du coup, tu sais pas ce qu'il faut faire. C'est un petit peu la galère. Genre, par exemple, là, t'as pas d'indication. Genre, tu sais pas ce que tu dois faire. Tu vois, là, t'es en galère. J'essaie de le récupérer tout à l'heure. Ça m'a dit que c'était pas possible. Ah, ça saoule. Ah, il y a cette saloperie de lapin de merde là. Garde-moi ça, frère. À quel moment t'as des lapins pareils chez toi? Ça sonne, comme ça, quelque chose qui va m'arriver sur la gueule. Il y a quelque chose qui va arriver là-bas. La porte ouverte ou pas? Il y a rien dans la salle de bain? Ok. Dommage que ce soit pas au moins traduit en français, quoi. Mec, je rigole pas, j'attends ce bruit de pas chez moi, je me suicide. Ah non, mais... Oh, ta mère, c'est un lapin! Oh, c'est un lapin, quoi. Sérieux, j'ai eu peur d'un petit lapin, quoi. Il a pas trop envie de répondre lui en fait. Ah, vu comment ça court pour venir chercher une lettre depuis tout à l'heure. Je sais pas qui c'est qu'il y a derrière la porte mon pote. Mais j'aurais pas eu demander du feu quoi. Je me barre, c'est ça? À tous les coups. Voilà, le lapin, il n'est pas là. D'accord, un petit bateau. Ah, je me suis encore trompé de touche, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, les gars, avec ça. C'est que c'est pas les touches habituelles, tu vois. C'est... Je suis en mode Ruskov là, comme c'est un jeu russe, c'est la débandade de morue douce. Ah, il m'a répondu. Ah ouais, AQZ. Pas les enfants. Ah mon Dieu, les enfants. Ah mais j'ai pas vu tes oreilles là, non, je les vois pas tes oreilles, elles sont très bien cachées. Hein. Saloperie de merde, il va me faire peur.
Là, je m'y attendais hein, quand même, pas abusé non plus. J'ai eu quelques frissons, j'avoue, mais je m'y attendais. Soirée de lapin, c'est pas non plus genre le truc qui passe inaperçu. Ça, je peux vous le dire, les petits gars. Mais c'est qui est accusé? Ah, c'est peut-être la prof. Ok, allez, je vous remercie. Alors, à mon avis, je pense que c'est la prof qui est accusée. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi la prof... Pourquoi la prof, en fait, elle a fait ça? Elle a mis des bonbonnes devant... devant les trucs, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Elle a pété un câble, non? Un truc du genre, tu vois. Ce jeu, bordel de merde. Mais quelle horreur, les amis. J'ai cru entendre ronronner. Allez dire, il y a un problème là. J'entends ronronner, un coup dans le pâté là. Ouais, c'est ça, je trouve bizarre, ouais. Oh, les frissons, mon gars! Les frissons de dingue! J'ai cru que ça arrivait sur moi là, j'allais accroître au cul là. Oh, j'ai eu peur là. Oh, j'ai eu trop peur. Yes, Earl. Communicate my friend. Donc en gros elle essaie de rentrer en contact avec ses amis. C'est ça hein. Si là je comprends bien. En gros, si je comprends pas l'anglais. En gros elle essaie de rentrer en contact avec ses amis. Mais à la place un homme avec un gros zizi est arrivé. Forcément c'était moi ça. Ça a toqué. Je suis pas rassuré. Y'a rien cette fois. C'est bon. Ender, j'ai eu des frissons avec toi. J'ai l'impression d'entendre un chat ronronner de temps en temps, c'est trop bizarre. Oh, y'a la petite poupée. Ça, c'est pas bon signe. Y'a la petite poupée là. Vous vous rappelez, quand y'a la petite poupée, c'est pas toujours une couille. Quand il y a une petite poupée comme ça, toujours une couille dans le pâté. Ça va pas tellement bien se passer. La porte va s'ouvrir et il va me sauter dessus, c'est ça? Ah, j'ai horreur de ce qui se passe, les gars. Le lapin, il est plus là. Le lapin, il est plus là, c'est pas bon ça. Peur. En fait, c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est stressant. Tu vois? The spirit of the place. Spirit, c'est esprit, c'est ça. Hein? Si je comprends bien. Donc, en gros, si je comprends bien. Donc, en gros, ouais. Elle explique pourquoi elle est empoisonnée. Putain, on est. Je comprends pas l'anglais. Donc, en gros, spirit machin, elle dit qu'elle est empoisonnée, si je comprends bien. Donc en gros là elle est en train de t'expliquer pourquoi les... Oh. C'est pas très cool ça par contre. J'ai arrêté de parler direct. Moi ce que je comprends pas c'est que c'est qui ce petit gars là qui à chaque fois qui me fait peur là, vous voyez là? J'ai pas envie d'y aller moi.
C'est quoi ce masque? T'es vraiment une merde, va te faire enculer. Espèce de gnocchi à poilé, va. Voilà, exactement, ouais. Ah, il a pas couru là pour aller chercher le truc, il attendait. Il est vraiment que j'ai cru. Par contre, il est vraiment super bien le jeu. Hein. Il est bien. Sérieusement, je le trouve vraiment cool. Il est super beau en plus. C'est le mec qui regarde toujours avant de sortir. Fait chier, je comprenne pas l'anglais, c'est vraiment chiant, tu vois. Vraiment, c'est casse-couille. Je le mets là, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui est sur le chat et qui pourra me faire un grand résumé grossier, en quelque sorte, vous voyez. Savoir si au moins, pourquoi elle a tué les enfants, pourquoi elle a mis le gaz. Est-ce qu'elle a mis parce qu'ils étaient possédés et du coup, personne ne la croyait, et patati patata, en fait, tu vois. Je me pose ce genre de questions, tu vois. Je me dis, est-ce que son téton droit, il était vraiment droit? Est-ce qu'il était pas un peu plus vers la gauche? Tu vois, ce genre de choses, c'est des questions existentielles, tout ça. The Bleed Abandoned. Tu vois, c'est ça que je me demande, tu vois. Est-ce que mon téton était pas trop petit? Plein de trucs comme ça. Je sais pas si vous, c'est des questions que vous vous posez la nuit. En tout cas, la prof, elle est vive. Je dis pas que je dois rentrer. Là. Pas du tout, bien sûr. Ah, ok. Directeur possédé, d'accord. Oh putain de merde. Moi, je peux plus lui parler là. Là, par contre, il va se passer quelque chose. Directeur possédé, d'accord. Donc, en gros, elle aurait peut-être voulu sauver les enfants du directeur B possédé. Et ça lui est retombé sur la gueule, en quelque sorte, si je comprends. Si je comprends bien le business, tu vois. On va aller dehors, là. Parce qu'on va aller dehors, ça va être encore pire que la maison. Hein. Moi, je vais pas dehors la nuit, hein, c'est mort. Hein. C'est du cash. Hein. Moi, je sors pas dans une forêt la nuit. Ah, je préfère les maisons encore. Honnêtement, je préfère les maisons, franchement. Franchement, je préfère être dans une maison la nuit que dans une forêt la nuit, honnêtement. Ah ok, c'est un hôpital. Night 3. Ah vas-y, elle me dit pas que c'est dans la forêt la nuit. Oh putain, mais c'est sérieux cousin, souffle pas comme ça sur la bougie. Je rectifie, je préfère être dehors. Il y a quelque chose derrière là. Il y a quelque chose qui marche là-bas. Oh c'est horrible. Oh c'est horrible la putain de ça. Oh la con de ces morts, c'est horrible. Je suis désolé si je suis grossier. Vraiment, excusez-moi, mais là j'ai pas le choix. Oh les bruits, mais c'est stressant de ouf. Attendez deux secondes. Hein.
c'est vraiment hard là, les gars. C'est vraiment hard. C'est vraiment hard. Je pense que... Les gars, je crois que je vais pas pouvoir continuer de suite là. Je vais pas pouvoir continuer. J'ai eu ma dose de sensations fortes déjà encore. Je vais paraître pour une merde. Hein. Mais je préfère garder l'autre partie pour un prochain live sur les jeux d'horreur que tout faire d'entrée là. Je peux pas. En plus, c'est que mes problèmes de cœur et tout, les gars, je me sens pas. Je me sens pas tout faire d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de me déglinguer. Cette ambiance de niquer le jeu, ça a l'air d'être encore pire ce passage. Ça va être encore pire ce passage. Franchement, je sais pas si c'était pas mieux cette première maison de base. Honnêtement, je sais pas si c'était pas mieux cette première baraque. Non, vraiment, j'ai eu ma dose, vous voyez, j'ai vraiment. On y est depuis 9 heures, j'ai vraiment envie de. Voilà, et en même temps, j'ai envie d'essayer de le garder un peu plus longtemps. Je sais qu'il va y avoir un deuxième épisode de ça, il va y avoir une espèce de suite, donc ça peut être intéressant, quoi. Ah, c'est pas ça, c'est parce que. Attendez, je vais vous montrer. Normalement, ça sauve. Attendez, on va regarder. Ça sauvegarde où? On va regarder où c'est que ça sauvegarde. J'espère que j'ai pas tout à refaire. Ok, Night 3, c'est bon, ça reprend là. En tout cas, je remercie beaucoup les gens qui ont aimé. Ouais. Je remercie beaucoup, beaucoup les amis. Merci énormément. Par contre, si j'ai des gens qui se sont abonnés, n'hésitez pas à me le dire, savoir si mes notifications ont bug, parce que je suis pas sûr. Non, parce que regardez les gars, je vous montre un petit truc. Là, que vous sachiez un petit peu. Voilà, donc j'ai visage qu'on doit faire. Voilà. Donc moi, visage, je l'avais bien avancé sur Play 4. Alors ça me fait un peu chier, mais bon, j'ai la version PC, donc autant en profiter. J'ai visage et j'ai Summer à faire. Et j'ai un autre jeu à faire, et celui-là, j'ai vraiment pas le courage. C'est Poppy. Poppy, j'ai pas le courage. Voilà, il y a un épisode 2 aussi, mais il faudra que je le fasse un jour. Il faudra forcément que je le fasse un jour, ça c'est sûr. Et voilà quoi. Il faudra vraiment que je le fasse un de ces quatre. Je peux pas faire l'épisode 2 sans avoir fait l'épisode 1. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà quoi. Tu crois que ça va marcher, Légion, ça, si tu te désabonnes et que tu te re-abonnes? Je sais pas si ça marchera. Je sais pas si YouTube, ça, ils prennent en compte. Je pense pas, tu vois. Parce qu'il faudrait que ce soit une nouvelle personne, je crois. Ouais, sinon, ça ferait bugger le système. Ah, c'est pour ça, je sais pas si c'est... Non, parce que quand je vais dans mon truc, le truc, c'est ça que je me demande, c'est est-ce que l'alerte, je dois la mettre tout devant? C'est ça que je me rappelle pas. Est-ce que je dois la foutre tout devant, en fait? Normalement, non. Normalement, je pense que vous allez la mettre tout devant. Ou tout derrière, mais je pense pas. Je pense pas du tout, tu vois. Non, tu vois, parce que mes derniers trucs, c'est ça, là. Mes derniers trucs. Mais non, c'est pas possible, ça. C'est pas mes derniers trucs, ça. Ah si, c'est mes derniers trucs. C'est mes derniers trucs. C'est mon dernier système. Ouais, moi, j'utilise Streamlabs, moi, ouais, pour un truc. Tiens, je vais mettre ça, ça ira mieux, tu vois, comme ça, c'est plus rigolo, quoi. Mais ouais. Ouais, parce que là, tu vois, si je fais des tests, ils fonctionnent, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, parce que là, je vois les commentaires, ils sont où? Chatbox, alertbox, ouais, peut-être qu'il faudrait que ce soit devant. Attendez, je vais regarder ça, ouais. Chatbox, il est où? Quand tu... Vas-y, écris les gens, voir. Ah non, j'ai pas mis le chatbox ici, je l'ai pas mis. J'ai un nombre de spectateurs, mais ça c'était sur Twitch. Non, Alertbox, ça devrait être là, Alertbox.
Bon, en tout cas, écoutez, je remercie beaucoup. Ben, je remercie toutes les personnes qui sont passées sur le live. Ok, nickel. Je remercie en tout cas les personnes qui sont passées sur le live pour cette petite soirée. Bon, c'était pas une soirée énorme, mais au moins c'est une petite soirée sympa. J'espère que vous aurez bien rigolé. Ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça ferait plaisir. Et puis, c'est pour vous prévenir aussi, ça aussi, il faut que je vous le dise. Donc là, on rajoute quelques nouveaux add-ons sur le serveur Gmod, parce qu'on a un serveur Gmod qui n'est pas encore ouvert. Mais on rajoute encore quelques add-ons par-ci, par-là. Il y a encore des nouveautés qui arrivent. Là, par exemple, la dernière nouveauté qui va arriver sur Gmod, sur notre serveur, ça va être pour la criminale. Donc en gros, imaginons que moi, je suis sur un toit. Je mets une balle de snipe à quelqu'un, la police retrouve le corps, ils sortent un espèce de truc rond là, un carré, ça scanne le corps et virtuellement ça met le mec debout, mais virtuellement, hein, il y aura encore le corps par terre, mais ça va faire une simulation, le mec debout, avec la trajectoire de la balle pour savoir de quel endroit la balle est partie. Ensuite, on va pouvoir savoir son âge, son poids, le nombre de balles qu'il a pris, où c'est qu'il a pris la balle, son nom, prénom, grâce au truc. Enfin voilà, c'est un système comme ça. Quand il y aura des policiers, il y aura aussi la criminelle, et ça va vraiment être cool. Vous voyez, les mecs, ils vont vraiment arriver sur les lieux. Il va y avoir d'abord la police, ils vont faire de suite appel à la criminelle. Là directement, t'as les mecs qui arrivent, ils posent leur truc, ils vont faire ils vont commencer à chercher, prendre des photos, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment envie que ça fasse ce genre de choses quand on est auprès de la police. Ça pourrait vraiment être sympa, quoi. Et puis voilà, quoi, il va y avoir quelques trucs. Donc voilà, le serveur Gmod, en tout cas, ça va être vraiment sympa. Je précise aussi pour ceux qui savent pas, on n'a jamais ouvert un serveur Gmod avant, donc forcément il n'y aura que du hein, ça va pas être énorme, hein, vous attendez pas un serveur à la Misclick ou à la Gary School direct, hein, les potos, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que bien sûr, comme on n'a jamais joué dessus, il va y avoir des trucs, on va se rendre compte qu'en fait c'était totalement inutile, d'autres qui vont être utiles, on rajoutera des nouveaux trucs. Voilà, ouais, j'ai vraiment envie de faire de bonnes choses dessus, j'ai vraiment envie d'avoir... C'est surtout pour jouer avec les abonnés aussi, pouvoir bien rigoler, pouvoir les trolls, pouvoir leur faire peur, pouvoir faire plein de choses. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Bien entendu, mes idées seront globalement inspirées de Gary's School parce que c'est le seul que je regarde en RP, donc forcément, c'est celui qui m'a donné envie de faire du RP à l'époque. Et je vous parle de ça, hein, moi, quand j'ai suivi Gary's School, il faisait pas du RP encore. Il faisait que que les Sims, et c'était les Sims 3. Pour vous dire, donc je le suis depuis pas mal d'années, et c'est vrai que j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses en tête, donc c'est d'être fort sympa. Il y aura aussi des lives, tout ça, ça va être vraiment cool, vraiment ça va être bien. J'espère que j'aurai votre soutien, et puis que j'espère te voir Légion aussi sur le serveur. J'espère te voir parce que je tente de mettre le truc de clochard, tu sais Légion, le truc de clochard qui a cavé sur Misclick. Et ben on peut pas le trouver en fait, apparemment c'est un truc qui était réservé que sur ce serveur. Et du coup, je voulais vraiment implanter le système de métier avec les SDF, et apparemment c'est quelque chose qui était que réservé sur son serveur, frérot. Du coup, je suis un peu dégoûté. On a le truc de Clodo avec le système de poubelle, tu vois, il y est, mais il n'y a pas le système de caddie vraiment où c'est que tu arrives, tu vas voir un clochard au fond d'un truc, et tu vois, tu ramasses les déchets, tu vas le voir, tu revends. Il n'y a pas ce truc. Par contre, il y a le système de poubelle. C'est-à-dire, dans les poubelles, tu fouilles, tu peux trouver une arme, tu peux trouver de l'argent, et j'ai pas envie de mettre ça en place. J'ai pas envie que le mec il fouille 50 ans dans les poubelles jusqu'à trouver une arme. C'est pas marrant. C'est pas... Voilà. Le but, c'est vraiment qu'il fasse ce truc, quoi. Mais il y a clochard. Le métier clochard sera dedans. Voilà. Mais moi, ce que j'ai pas envie, c'est que voilà. Pour que le clochard gagne de l'argent, ils sont obligés de mendier. Tu vois, j'ai vraiment envie qu'il puisse fouiller, faire un truc, tu vois, avoir une interaction avec la ville. Pour pouvoir revendre quelque chose, ce genre de truc, tu vois, j'ai vraiment envie qu'il ait besoin de faire ça, le clochard. Parce que c'est vrai que sur Misclick, c'était de la patate, ça. Quand moi je suis arrivé, frère, tu es clochard, t'as ton caddie, tu vas fouiller les poubelles, t'appuies sur eux, tu fouilles tes poubelles, tu reviens après, tu vois ce que je veux dire, tu reviens, tu vas aller. Tu vas revendre tes déchets et tout, c'était vraiment de la patate, ça. Mais Clodo, il y est, ouais. Il y aura Clodo. Il y aura Mafia, Clodo, il y aura le labo de Met. Tu sais, le labo vraiment où c'est que tu dois mettre la tente et tout. Après, il y aura d'autres ajouts parce qu'évidemment, sans mentir, hein, là pour le moment, le serveur il n'est pas ouvert. Il y en a pour plus de 300 euros. Voilà. Là, il y en a pour plus de 300 euros. Là. Le serveur il n'est même pas ouvert encore. Voilà. Donc, du coup, voilà.
Il y aura aussi des VIP qui seront mis en place. Mais en fait, ce que je préfère, les gens, c'est que tu as des add-ons qui sont réservés que pour un serveur, en fait. Donc, tu as des add-ons qui ne sont pas publics. Tu as des choses que tu peux demander à être fait par des mecs que tu peux trouver que sur ton serveur, en fait. Histoire de bien, bien te différencier des autres. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment quelque chose comme, ça, quand les mecs ils viennent dessus, tu vois, ils disent « Ouais, ben, y a ça, je l'ai, mais tu ne peux pas l'avoir sur les autres serveurs. » Tu vois, tu as des add-ons gratuits que tu peux avoir sur Steam. Tu as des add-ons payants que tu as sur le workshop. Donc, il a pris des add-ons payants, Mini. Il a pris pas mal d'add-ons payants. Mais il y a des choses que tu peux faire que par des mecs qui savent faire. Et là, mec, les types, frérot, tu les payes pas 2 euros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu veux faire un truc comme ça, mec, tu payes, vas-y, hein, tu payes ta race. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, tu peux rajouter une extension sur la map. On m'a dit, après, je sais pas si c'est vrai. On peut rajouter des extensions sur la map, mais pour faire ça, il faut un mec qui sache coder, un mec qui sache faire un truc, tu vois, pour agrandir. Alors, je sais pas si c'est vrai ça ou quoi, mais. Ok, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, tu as des personnes, les add-ons gratuits, genre les add-ons de créatures, tu vois, les add-ons des SCP, tout ça. Tu en as des gratuites, tu vois, donc ils sont disponibles, mais tu en as des payantes et il y en a, je crois que tu les as que fait pour. Que spécialement pour certains serveurs, tu vois, mais tu payes cher, quoi, à ce qui paraît. Si j'ai bien compris, attends, si j'ai pas de bêtises, hein, prends bien en compte cette paramètre. Si j'ai pas de bêtises, parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai cherché l'add-on de Clodo sur Misclick, parce que le serveur il a fermé, donc il rouvrira plus le serveur, il a fermé. Et ben, je me suis dit, ouais, on va pouvoir, voilà, quoi, tu vois, je vais pouvoir mettre ce petit métier, ça pourrait être sympa. Et en fait, non, il est introuvable. Ce métier-là, il est introuvable. Apparemment, on m'a dit que c'était que réservé pour Misclick. Donc ça fait un peu chier, tu vois. C'était vraiment un truc qui m'aurait bien botté, tu vois. J'aurais bien aimé avoir ce truc. Mais tu vois, plus tard, j'ai envie de rajouter le coiffeur. J'ai envie de rajouter le coiffeur, la chirurgie. J'ai vraiment envie de me taper ce genre de délire, tu vois, de déformer des mecs et tout. Vraiment, j'ai envie de faire ce genre de choses. Ouais, quoi. Mais coiffure, ouais, tu vois, ça peut être vraiment sympa d'avoir ce métier. Ouais, mais en fait, tu peux pas être pote avec Gary School. C'est impossible. Parce qu'en fait, ces mecs-là. Pourquoi quand tu me parles, je vois un petit billet à côté de ton nom, c'est bizarre. Parce que je comprends ce genre de gens, tu vois, c'est comme The Gary, tu vois. The Gary, t'as trop de gens qui se sont servis de lui, tu vois, pour percer sur YouTube, tu vois, il y a trop de gens. Et après, les mecs, une fois qu'ils sont connus, ils ont fait un gros fuck à The Gary, va faire un coulo. Et même moi, je le vois, parce qu'avant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, t'avais personne qui. Tu vois ce que j'ai, les gens, ils s'en battaient les couilles, tu vois. Ils venaient pas sur mon live faire genre, ouais, tu veux qu'on joue ensemble ou quoi, rien que dalle, tu vois, frérot. Et là, maintenant que je suis connu, j'ai des gens. Ouais, il faudrait qu'on joue ensemble. Ah, j'ai ouvert une chaîne YouTube, ça te dirait de jouer avec moi et tout. Mais moi, frère, avant, t'avais personne qui me proposait ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie, en fait. Parce que j'ai pas envie de. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie d'aider les gens. Mais c'est que moi, il y a personne qui m'a aidé, tu vois. J'ai dû aller me faire enculer, tu vois. J'ai dû me démerder tout seul. Et du coup, j'ai pas envie d'aller. Excusez-moi, je tapais dans le micro, ça a dû faire un bouquin. J'ai pas envie, moi, d'aller aider les mecs. Voilà, quoi. Et du coup, je comprends bien que ce mec-là. Gary's School pour être pote avec lui, mais c'est quasiment impossible, tu vois. Il a ses petits potes à lui, c'est comme moi, tu vois. J'ai mes potes et j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Bon, à part, bien sûr, imaginons, chose qui arrivera jamais, mais imaginons, j'ai 24 000 abonnés, tout ça, et là, tu vois, tu commences à être invité sur des trucs, tu fais la rencontre de tel ou tel youtubeur, tu vois ce que je veux dire. Et là, oui, après, tu deviens pote, et encore, entre guillemets, c'est jamais vraiment pote, c'est que du business, tu vois ce que je veux dire. C'est jamais pote, c'est que du business. Les mecs, ils te parlent, ils font des vidéos avec toi parce que tu fais tant de vues. Et ils savent que s'ils font une vidéo avec toi, ça va leur apporter tant de vues. Et tu sais que si tu fais une vidéo avec lui, ça va rapporter tant de vues. Tu vois ce que je veux dire? Si, un bête exemple, tu vois. Je m'en bats les couilles de Skyrose, moi, tu vois. Mais si demain, Skyrose, imaginons, j'ai 30 000 abonnés ou j'ai 65 000 abonnés, et Skyrose, il me dit, viens faire une vidéo avec moi, forcément, c'est pour le business. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour les vues que ça va faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, et moi, je ferai pareil. Je dirais oui, par rapport au vu que ça va m'apporter. Parce que moi, Skyros, je dis honnêtement, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est. Voilà. C'est pas. Je m'en... Avant, j'aimais bien Skyros quand j'étais petit, tu vois. Mais là, je m'en bats complètement les couilles, tu vois. Voilà, c'est. Par contre, je kifferais faire une vidéo avec. Alors, c'est pas avec beaucoup de personnes, tu vois. Mais les mecs avec qui je kifferais trop faire une vidéo dans ma vie, vraiment. C'est Joueur du Grenier. J'aimerais trop faire un truc avec lui, vraiment. C'est vraiment. Ce serait une dinguerie, mais de ouf, mec. Joueur du Grenier, chez Chouné, parce que lui c'est un monstre. Chez Chouné, c'est un tueur ce mec.
Benzaï, alors Benzaï, vraiment, Benzaï, ce serait vraiment un honneur absolu de faire un truc avec lui, tu vois. Vraiment, faire un truc sur Doom avec lui, un truc comme ça. Et Guerre School du RP, ce serait vraiment un honneur, tu vois. Vraiment, ce serait un honneur. Vraiment, et, tu vois, imagine Guerre School, il me dit, tu fais une vidéo avec moi, mais tu n'enregistres pas. La tête de ma mère, je fais la vidéo, je n'enregistre pas. Tu vois, rien que le plaisir de faire un truc avec lui, tu vois. Vraiment, ce serait vraiment un truc. Mais vraiment, Benzaï, Seros aussi. Seros, un jeu d'horreur, ça serait sympa. Après, Seros, j'ai pas eu un petit accrochage, mais voilà, j'ai eu un petit malentendu avec lui quand il a commencé à être connu. Ça m'a fait un petit peu chier. Parce que Seros, je l'avais connu, il avait pas beaucoup d'abonnés. Il était super gentil, tu vois, il critiquait pas mon écriture ni rien. Pour ceux qui le savent, je galère un petit peu à écrire, tu vois. Et quand il a commencé à avoir beaucoup de monde, un gros nom en fait, j'ai écrit, le mec il m'a clashé, tu vois. Alors que quand il avait 200 abonnés, jamais il m'a clashé. Absolument jamais. Il répondait à mes commentaires, il discutait avec moi. Et là, la seule fois qu'il m'a répondu à mon commentaire quand il avait beaucoup d'abonnés, c'était pour me clasher en fait. Et ça m'a, franchement, ça m'a fait chier venant de la part d'un mec que je suivais énormément. Ben maintenant, tu vois, je le regarde. Mais je le regarde plus en fait. Je le regarde quasiment plus. Ça m'a mis, tu vois, ça fait chier, tu vois. Tu dis, ouais, le mec, en fait, tu le soutiens, t'as 300 abonnés, tu te retrouves avec tant d'abonnés et tu te prends pour Jésus, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, tu vois, ça m'a fait un peu chier. Mais vraiment, toi, tu aimes que les mecs qui ont le même humour que toi, exactement. Ouais. Guerrero School, pas trop d'humour. Eh ben, figure-toi, Guerrero School, il avait un humour avant, un humour noir. Les gens, il avait un humour noir avant. Mais c'est juste. C'est que le problème, quand t'es l'ambassadeur d'MSI, tu vois, ton humour noir, mec, tu le mets plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets plus, mec. Tu le mets plus. Mais enfin, mec, il avait un humour assez glauque, hein. Assez noir. Hein. Violait tout, le mec. Hein. Violait tout, gros. Hein. Il a fait des vidéos, des lives où c'est genre, il violait des mecs, il les chopait, il les violait, gros. Il a fait des trucs comme ça. Mais après, ouais, tu vois. Après, joueur du grenier et tout, vraiment ce que j'adore, c'est vraiment les courts-métrages. Tu sais, moi je kiffe les courts-métrages et tout, et je kiffe skiffer, tu vois. Franchement, si un jour ça m'arrivait de finir dans une de ces vidéos, ce serait genre bel absolu, ce serait, j'aurais atteint le best, tu vois ce que je veux dire pour moi, j'aurais atteint vraiment le best. Tu vois, je me dirais voilà, là vraiment, le mec, je fais une vidéo avec ce mec-là, tu te dis ouais, voilà, tu vois, c'est vraiment le best, tu vois. Après, même, tu fais une collab avec The Kerry, j'aimerais bien aussi The Kerry, tu vois, ce serait vraiment cool. Hein. Ce serait vraiment sympa, mais voilà quoi. Ah ouais, ben t'as pas le choix, mec. Mais après, je les comprends, les mecs, tu vois. Je les comprends. Les mecs comme Skyros qui n'insultent pas Skyros, ils insultent encore. Mais moins qu'avant. Je comprends après. T'imagines, mec, t'es là. Non, mais imagine-toi Gary School, gros. Je crois qu'il est ambassadeur de MSI, donc d'une marque de PC. C'est-à-dire que les mecs, ils payent aucun matos. C'est-à-dire le type, il paye pas le matos. Ses écrans, il les paye pas, les trucs. Ah, mais je comprends. Mais moi, mec, j'insulte plus. La tête de ma mère, tu me vois plus insulter. Hein. Enfin, si, tu vois, mais ça, c'est un truc qui serait plus fort que moi. Mais moins, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup moins. Ce serait beaucoup moins. Mais après, ouais, quand tu commences à avoir les chèques, les sponsors, les trucs, bah, t'as plus envie, frère. T'es tranquille, tu vois. Tu sais, puis tu commences à avoir un chat qui est full animé, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre, un truc de ouf, tu vois, il est animé de malade et tout, ben. Bah, t'es tranquille, tu vois. Mais par contre, le truc que je ferai toujours, c'est regarder tous les commentaires, tu vois. Et Guerrero School, je sais qu'il fait son possible pour regarder tous les commentaires. Tous les commentaires, c'est pas possible parce que là, si je vais sur sa dernière vidéo, tu vois, mais par exemple, je suis sûr que regarder tous les commentaires, c'est pas possible parce qu'il mettrait toute la journée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il mettrait vraiment beaucoup trop toute la journée, tu vois. On va aller regarder vite fait, tu vois, dernière vidéo, 50K vues. Il a combien de commentaires? On va aller regarder ça. Aujourd'hui, dans Cauchemar. On va aller regarder ça. Ah si, il a 359 commentaires. Si, eh ben, je peux t'assurer, il regarde tous. Ça, j'en suis sûr. Il regarde tous ses commentaires. Regarde, un j'aime, un j'aime, un j'aime. Regarde, j'aime. Bon, là, il a pas mis de j'aime. Mais normalement, il met des j'aime. Merde. Bon. Normalement, il les regarde tous, ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr, parce que parfois, parfois quand il parle des commentaires, je vois, et sûr et certain. Mais par contre, c'est là que tu vois que je suis éclaté au sol, parce que j'ai autant de vidéos que ce mec, j'ai vraiment autant de vidéos que ce mec. Hein. Mais au niveau des abonnés, je fais pitié. Je mens pas.
J'ai ça d'abonnés. Et je dois avoir. Attends, est-ce que je peux me trouver comme ça? Je sais pas si c'est possible que je me trouve comme ça. Ah, c'est possible, je me trouve comme ça. Voilà, j'ai plus d'abonnés que Gary School, gros. j'ai plus de vidéos que Gary School, je veux dire, excusez-moi. Et j'ai 1 million de fois moins d'abonnés que lui. Mais j'ai 1672 vidéos, mec. Ouais, non, mais Jean Permanov, il abuse, lui. Le mec, il abuse. Jean Permanov, mec, c'est abusé, lui. C'est abusé. Hein, comment il parle à sa mère et tout, mec. Lui, c'est un malade, lui. Lui, c'est vraiment un malade. Mais même, c'est comment il parle à ses abonnés. La dernière fois, le mec, il fait une vidéo. Il dit, oh, je viens de mettre ma vidéo, là. Je vois qu'il n'y a pas assez de j'aime. Alors, grouillez-vous de vous connecter et allez vous abonner. Non, mais tu t'imagines, mec, c'est comme si là, je me mettais à faire ça. Tu vois. C'est comme si là, je faisais une vidéo. Et je disais comme ça, sérieusement. Je dis, oh, les mecs, je viens de poster une vidéo. Maintenant, vous allez arrêter de faire les cons, vous allez bouger votre cul, vous allez aller sur ma vidéo et vous abonner, putain de merde, parce que j'ai pas assez de vues là. Alors dépêchez-vous, t'imagines? Je parle comme ça, sérieusement, je suis en train de... Et le mec, le pire, c'est que ça marche. Les mecs, ils vont se connecter et ils vont faire ça. Mais moi, je te dis honnêtement, Jean-Pierre Manon, jamais de ma vie, je fais une vidéo avec lui, sur la tête de mes enfants. Jamais. Je l'aime pas. Ou alors, à moins que je sois avec un streamer et que le streamer, il invite, il n'y a que ce moyen-là. Mais moi, je me vois pas faire une collab avec ce mec. Vraiment pas du tout. Et je te promets, je pourrais pas, mec. Le mec, il t'insulte, il te dit d'aller niquer tes morts, d'aller te faire enculer, fils de pute. Je pourrais pas, mec. Je supporterais pas. J'aurais envie d'enculer à la fin. Ah ouais, non, j'aurais envie à la fin. C'est pas possible. J'aurais envie. Je pèterais trop un câble. Je pourrais pas. Tu vois. Et je trouve que lui, il en joue. Tu vois ce que je veux dire? Il surenchère ses trucs. Tu vois, j'ai l'impression. C'est vraiment, lui, des fois, c'est vraiment trop, trop. C'est il surenchère. Parce qu'il sait que ça marche, il sait que ça plaît. Ouais, c'est ça, ouais. Mais parce qu'en fait, les gens, ils aiment ça, en fait. Les gens. Ils aiment. Parce que tu tapes sur YouTube, coup de gueule de Jean Permanov, mais les gens, ils vont se régaler. T'as des gens, t'as des chaînes YouTube qui font des montages spéciaux de ça pour se faire de l'argent par-dessus les autres YouTubeurs parce qu'ils n'ont pas les couilles d'être des créateurs. Alors, du coup, ils prennent le contenu des autres, des parties, et ils font des montages comme ça, tu vois, ils ont plein de l'opec et tout. Et ils font, je sais pas combien de vues, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes. Les rages de The Kerry, mais les rages de The Kerry, ça fait un max de vues, tu vois. Et du coup, ça marche ce genre de choses. Ça marche, tu tapes rage sur YouTube, tu fais une vidéo sur des rages de tout le monde. Mais mec, tu vas faire des millions de vues, ça va être astronomique. Et ça, ils savent que ça marche en fait, rager, tu vois. Et le problème, ce que je trouve pas cool en fait avec Permanov, en fait, ce que j'aime pas, c'est que lui, il en rajoute. Tu vois que c'est surjoué son truc, tu le vois. C'est vraiment surjoué. Des fois, le mec, il dit rien, il est là pendant une heure. Avec sa tête de flambi. Et puis d'un coup, ouais, fils de pute et tout, tu vois. Voilà. Mais. Ah, tu vois, c'est ça. C'est qu'en gros, voilà, c'est les gens, en fait, voilà, ils kiffent. C'est le kiff. Tu vois, c'est comme quand tu regardes, par exemple, une compile de personnes qui a peur, tu vois, sur les jeux d'horreur. Mais ça, c'est kiffant de regarder, tu vois. C'est grave kiffant, tu vois. Par exemple, quand Seros, il fait ses compiles. Compile de peur, mais moi je rigole, j'éclate de rire, tu vois. Mais quand je regardais, j'éclatais de rire. Je disais, mais c'est un monstre, tu vois. Vraiment, je me régalais parce que ça me rappelait des trucs, tu vois. Mais le meilleur, les gars, le meilleur, vous savez qui c'est qui m'a fait regarder, qui c'est qui m'a donné envie de faire des vidéos. De base, je vous explique, j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube, mais de jeux d'horreur. Vous savez qui c'est, et il y en a peut-être d'entre vous qui doivent connaître, ça fait un moment qu'il est parti de YouTube. C'est Kiki Horror Show, les gars. Kiki Gear. Regarde ça. 256 vidéos, 240 abonnés. Lui, mon gars, c'était le best du best. C'était un monstre. Voilà. Dernière vidéo, c'était sur Roulas il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà. Ah ouais. Ouais, c'est celui qui avait le petit lion sur l'épaule. Il y a 5 ans. Putain, ouais, on dirait pas. Moi, je les ai toutes regardées. Hein. C'est YouTube, il bug, tu vois. Il me dit, je les ai pas toutes regardées, mais je les ai toutes vues, ces vidéos. Hein. Il y a 5 ans. Ben lui, les gars, si vous voulez vous amuser, vraiment, vous voulez passer une soirée à mater des trucs d'horreur, et vous le connaissez pas, franchement, foncez sur sa chaîne.
vous allez vous régaler. Honnêtement, vous allez vous régaler. Foncez les yeux fermés. Hein. Vous allez vraiment vous régaler. C'est une régalade. C'est une pépite, ce mec. Vraiment, c'est une pépite. Vous allez vous... Vraiment, vous faites chier. Il m'arrive des fois de ne pas savoir quoi regarder sur YouTube le soir. Et je me re-regarde des vidéos de Kiger. Pour vous dire. Voilà. Après, moi, en abonné, j'en ai pas 50. J'ai que 420 abonnés, moi, tu vois. Je suis abonné qu'à 420 personnes, tu vois. Psychodélique, tu vois, lui, je kiffe aussi. Psychodélique, c'est perfect, lui. C'est, je le kiffe de ouf. Il est génial. Lionel Camille. Si vous aimez bien les trucs de reportage sur les meurtres, les conneries comme ça, il fait un travail titanesque, ce mec. Vraiment, il fait un travail titanesque. Bon, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup des trucs comme ça. Voilà, je regarde beaucoup les trucs comme ça. Et franchement, il fait un travail de ouf. Tu vois, c'est 53 minutes, mais c'est 53 minutes où c'est que le mec, il y a vraiment une enquête. Et après, il y a son analyse. Donc, d'abord l'enquête, mais il y a parfois, il va carrément sur les lieux. Et c'est souvent des enquêtes que même Maxi Kays ne fait pas, en fait. Tu vois, que Maxi Kays ne connaît pas, ne fait pas. Et lui, c'est vraiment, c'est plein d'enquêtes comme ça, des enquêtes inédites. Donc, je vous conseille. Tu vois, par exemple, sur Dogman et tout, je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez pas, vous aimez bien les reportages et trucs comme ça, franchement, je vous conseille fortement Lionel Camille, parce que c'est un super mec, il raconte vraiment super bien. C'est un super travail de ouf qu'il fait. Vraiment, c'est titanesque. Bon, Astronomique, je n'ai pas besoin de présenter, c'est un monstre. Si vous aimez l'astronomie, vous pouvez pas ne pas connaître Astronomique, c'est impossible. Alors, c'est impossible d'être sur YouTube il n'est pas connaître Astronogeek hein, sur ça. Bon, Sir Gipsy, tout le monde connaît, pas besoin de faire. Lui aussi, c'est un monstre, vraiment sympa aussi. Il fait des trucs sympas sur les trucs paranormaux, je kiffe aussi. Il travaille de ouf aussi, il travaille super bien, bien écrit tout, c'est de la patate. Vraiment, c'est de la patate. Benzaï, ben, c'est Benzaï, hein, c'est le best du best, Benzaï. Quoi d'autre que je pourrais vous conseiller? Ça, mais ça, c'est mon petit trip à moi, ça, vous voyez, c'est mon petit délire. Je peux pas vous faire écouter, mais j'écoute beaucoup ça. Voilà, j'écoute beaucoup. Pour vous dire le genre de musique que c'est, qu'est-ce qu'il fait comme musique? Bon, j'écoute un bout pour vous faire écouter, hein, que vous sachiez. Voilà. C'est ce genre de musique. C'est des trucs celtiques, quoi. Voilà, moi, j'aime beaucoup, j'écoute ce genre de délire, tu vois. Oui, je vais peut-être en surprendre. Bon, Defecator, c'est pareil. Lui, super mec aussi. The Best, The Monstre aussi. Grâce à lui, si vous regardez ses vidéos, ben, vous serez moins con sur Internet. Donc, je le conseille beaucoup à regarder. Ça, c'est intéressant. Ça t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend à faire attention à ce que les gens montrent sur, comme information, ce qu'on peut trouver sur Twitter et tout, de ne pas tomber dans le panneau. Donc, lui, c'est voilà, pas mal. Avec des trucs interactifs et tout, vraiment cool. Vraiment cool, je conseille. Ok, attends, c'est vrai, tu vois pas l'image, fais bien de me le dire. Voilà. Merci les gens de me dire. Donc voilà, donc je disais, officiel Defecator, les personnes que je vous conseille de vous abonner, que vous pouvez kiffer, Defecator, lui, c'est un mec, t'es moins con. Il te fait apprendre plein de choses. Voilà, vraiment, voilà, tu vois, par exemple, il dégomme les gens qui pensent que la Terre est plate, tu vois. Il les dégomme, mais de façon réfléchie, avec beaucoup de réflexion et avec des preuves. Parce que dans tout ce qu'il dit, il ramène toujours sa source, voilà. Donc, quand on, par exemple, on parle de quelque chose, qu'on dit quelque chose, si par exemple, demain, je vous dis Zidane au PSG, vous allez me demander la source. Tu ne vas pas croire le mec, il va te dire Zidane au PSG. Tu vois, tu vas me dire, ah, mais tu sais ça d'où? Donc, du coup, il amène toujours une source que tu peux vérifier. Tu vois, par exemple, c'est très simple, je clique sur une de ses vidéos. C'est pas une pomme, c'est un oignon. Voilà, tu vois, je fais ça, je clique sur une de ces vidéos, je suis sûr que je vais dans plus. Voilà, le lien de ses sources. Voilà, il y a toujours le lien de ses sources. Voilà, il y a ses musiques et il y a toujours le lien de ses sources. Voilà, donc tu peux toujours, toi, aller vérifier et dire, ah ouais, finalement, il n'a pas dit de conneries. Donc ça, c'est un mec que je vous conseille fortement de vous abonner si vous ne connaissez pas, c'est de la patate. Celui que je vous parlais, d'un autre aussi, là, tout à l'heure, qui est super intéressant, c'est Lionel Camille. Eh ben, si t'aimes bien les reportages sur les disparitions, sur les meurtres et tout, Légion, toi qui aimes bien ce genre de délire et tout, Lionel Camille, je te le conseille fortement. Super mec, super gentil. Vraiment, tu le vois qu'il est gentil. Je sais pas comment te dire. Il est vraiment gentil et il mérite beaucoup plus d'abonnés par rapport au travail qu'il fait. Vraiment, parce qu'il fait un travail titanesque, il fait un travail de ouf, le mec.
C'est un truc de malade, hein. Vraiment, c'est super bien. D'ailleurs, il a fait son livre, là. Il a fait ses livres. Voilà, il est auteur de quelques séries. Il en a sorti un dernier, là, j'ai vu. Et donc, en fait, voilà, il fait autant de choses sur les disparitions mystérieuses, sur les énigmes criminelles et sur les trucs criminels et sur les trucs inexpliqués. Donc, franchement, je vous conseille, c'est qu'en fait, voilà, il y a vraiment de tout, en fait. C'est que ça va sur ce qui est un peu horrifique, entre guillemets. Donc, par exemple, Dogman, le légendaire Dogman. Sur le prédateur en vrai, attention, le mec il se fait pas transparent, hein. C'est juste que c'était un mec qui savait bien se camoufler, buter les gens. Voilà quoi, il y a vraiment plein de choses, tu vois. Sur les ovnis, il fait des reportages lui aussi, pareil, avec des sources. Donc vraiment, il a vraiment des gens au téléphone, il fait vraiment des trucs. Donc je vous conseille fortement, vraiment. Alors il y en a un autre aussi qui est intéressant, les pâtes à pont. Donc ça, c'est, c'est un truc des comptines pour enfants, c'est pour mon fils. Il y en a un autre que j'aimerais vous parler qui vaut vraiment le détour. Il y a Zepae aussi, si vous ne connaissez pas. Super gars aussi. Maintenant, il a beaucoup d'abonnés, mais moi, je l'ai connu. Il n'avait pas beaucoup d'abonnés. Super mec aussi. Super tuto et tout. Donc, si tu te lances sur YouTube et que tu veux te lancer sur Twitch, va sur Zepae. Il t'apprend tout. Clairement, il t'apprend tout. Nickel. Il y en a une autre que j'adore. Parce que moi, j'aime beaucoup les histoires d'horreur. Et il y en a une qui fait ça super bien. C'est bon, si vous êtes fan de CD Today, c'est la chaîne incontournable là. C'est Art Styler. Tac. Attendez, parce que j'aimerais vous montrer un petit truc. Vous montrer un petit quelque chose parce qu'elle est vraiment intéressante. Ouais, je l'ai aussi, Ben Baskenzi aussi. Ouais, je l'ai aussi, pas mal. Putain, attends, c'est qui? Attendez, parce que c'est une meuf. C'est Mademoiselle. Mademoiselle comment? Ah, c'est elle. Elle aussi, vraiment pas mal. Si vous aimez les histoires creepypasta, elle... C'est la best du best. C'est ma préférée. Je kiffe sa voix, je kiffe comment elle raconte. Voilà. Alors, oui, moi je suis genre de mec, je m'endors avec ça, moi. Voilà. Je m'endors avec ce genre d'histoire, tu vois. J'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Tu vois, des fois je me cale, je ferme les yeux et j'écoute ça et je kiffe, tu vois. Je kiffe de ouf. Je kiffe vraiment de fou. Ah ouais, donc lui c'est une grosse merde. Je vais me désabonner, qu'elle se fait enculer. Voilà. Lui, je me suis pris la tête avec sur Twitter. On s'est bouffé la gueule, donc je vois pas pourquoi je vais rester abonné à lui. Il peut cordialement aller se faire enfiler par des Canadiens en rut. Et voilà quoi. Voilà. Mais sinon, vraiment, voilà, je vous conseille. Ou sinon, si vous souhaitez, abonnez-vous à moi. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, moi, les amis, ce que je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Je remercie les personnes qui ont aimé le live. Je vous remercie de votre soutien. Et puis, si vous voulez voir le premier épisode du truc du jeu qu'on a fait en live là, de Summer, j'ai le premier épisode sur ma chaîne. Vous pouvez aller l'assister. Je l'ai partagé aujourd'hui, il me semble, ou hier. Je conseille. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao. Et n'oubliez pas, les amis, c'est vous les meilleurs. Allez, bisous.